Nous en trouvons la lecture, c'est bien dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13. Quand je parlerai de l'un de mes hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je n'ai rien qui résonne, aucune cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point de mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne paie jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la paix. Parole du Seigneur. L'Éternel Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors je lui ferai une aide semblable à lui. Ainsi que chacun est sa femme et que chaque femme est son mari. Voilà cet après-midi tout ce qui amène la présence de la sœur Roselore et le frère Aurel cet après-midi. Par crainte de l'Éternel et à cause du salut, ces deux bien-aimés, ils disent non à la prostitution. Ils disent non au concubinage, mais ils réclament le mariage que Dieu a institué. Est-ce que les chrétiens de l'Assemblée peuvent applaudir le Seigneur pour cette bonne nouvelle? Merci. Même si le monde invisible de Satan y a pas pour profaner l'institution, ça ne va jamais sale ça va Dieu faire. Et ça fait aujourd'hui à y apprendre pour deux femmes mariées. Il a demandé pour deux garçons mariés. Il a demandé pour un adulte avec un mineur marié. Tout ça, c'est attaque, mon invisible de Satan, contre eux. Cette noble institution qui est le mariage. On nous dit merci Seigneur. On nous dit merci Seigneur. On a invité à présent la sœur Roselore. Et le frère Aurel
tu es capable de dire nous venons à la gloire de Dieu. Tout de suite, après la dernière publication de bord, mariage là, nous t'ai interrogé l'assemblée. Nous t'ai demandé est-ce que pas gagné un monde qui t'a gagné un empêchement légal à ce que la cérémonie ça t'est déroulé, ne pas joindre aucune proposition du côté de l'assemblée. Maintenant, c'est le tour du couple fiancé jusqu'à présent. Nous allons attendre des positions par eux, même si vous voyez, vous chichez le choc, vous tirez à 8 épingles. Nous allons attendre eux. Qui ça y a eu dit après midi à concernant la présence ici là. Généralement, il a dit les femmes d'abord. Mais de toute règle, il y a une exception. C'est le masculin qui va pouvoir d'abord répondre aux interrogations et ensuite la soeur aux hommes. Demandez-nous à l'assemblée pour mettre nous en attention qui parfaite. Parce que ça qu'on fait là, il est très sérieux. Frère Morel, soeur aux hommes, nous allons répondre en présence du grand conseil divin, en présence de tout leader spirituel qui est là, toute parole, toute assemblée, nous allons répondre à l'interrogation. Ça nous allons répondre, nous allons répondre jusqu'à la mort ou jusqu'à la mort. Nous allons échanger de paroles. Comme chrétien, même qu'on est mouillé, la parole de Dieu dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Donc, demandez-nous dans quelques secondes, avant de commencer, pour nous réfléchir rapidement sur les réponses que nous allons, parce que la parole de Dieu dit que des malheurs dans ça, des pièges dans ça, pour le monde. Il va prendre un engagement sacré à la légère. Il est le prendre un engagement, c'est les avoir à la réfléchir. Il est bien géré ça. Frère Morel Lazare, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. C'est pas le moment de Jésus. Ok. Vous l'avez avec moi? Avec Jésus. Vous allez répondre pour nous quelques questions. Pour la gloire de Dieu et pour bénédiction parle. Yes. Devant le Seigneur Jésus-Christ et devant son Église, devant toute assemblée à la, est-ce qu'on est capable de dire nous qui sommes venus faire avec nous là? C'est comme nous parlons à faire au relevé là, non? Avant de répondre si on dit oui, pas de ça, ça vous va. Même si on vous va témoigner de ça. Le conseil de l'Église n'est pas la mention. Il va comprendre la question posée à ça, le vin fait là. Question de Jean, le rôle de Jean. Il a mis ça. Il a mis ça. Il a mis ça. Il a mis ça. Il va rire quand même. C'est pas ça. A dit qu'il y a une prison qui fait le rire. Vous cherchez pour ça. Calmez. C'est mieux. Il est dans un paquet de tutoriels, c'est 15%. Oui. Allez, vous les avez dit, vous avez dit, vous avez le conseiller conjugal, apôtre Madel Lafleur, lui dit c'est 25% de gagner en fiançailles. Peut-être qu'il est au 25%. Ou vivre à 25%. Mais bon, quand on fait briser du ciel, pas des fois, mais assez, moi, des fois. Ok. Est-ce qu'on pourrait au nom de Jésus pour sortir avec 25% de l'éducation? Il va se faire avec Jésus. Ok. Voilà.
Est-ce que présent sous la nouvelle Lazare, c'est pas pression pour recevoir ni de leader, c'est-à-dire pasteur, ni de parents, ni de entourage qui fait pour revenir à l'entier? Non, pasteur. Non. C'est pas mon sac qui fait sous sa rose de l'entour qui font pour revenir là. Non, pasteur. A dit nous deux à côté là. Et pas nous trois qui là. Non. A dit toi qu'on a, nous deux là. Ça va t'annuler. Ok. Gloire à Dieu. Frère Auré, puisqu'on dit nous sommes planification qui mène nous là, après-midi, pour combien de temps vous vivez pour un gros set engagement ça? Pour la Jésus retourner. Pour la Jésus retourner. A dit frère Auré, même il voit la vieillesse. Il va courir dans la mort. Et la vie jusqu'à ce que Jésus retourne nous chercher. Donc, tout le monde va tous. Alors, j'ai pas ça, Oslo. Ou la vieillesse, c'est ça. Ok, ok, ok. Frère Aurel. Yes. Est-ce qu'on est d'accord? Après, on a fini pour un engagement sale. Pour régler ce Oslo aux gens. Avec tout l'esprit, tout le cœur et tout le corps. Avec Jésus, oui, pasteur. Oui. Avec Jésus, oui, pasteur. Est-ce qu'on est d'accord, mon frère, pour respecter, pour honorer, pour prendre soin? Pour battre protection et besoin. Avec Jésus, oui, pasteur. Ou d'accord, pour faire tout ça, dépend de vous pour être heureuse. Avec Jésus, oui, pasteur. Ou d'accord, fille, marié avec, pour faire un G en termes romantiques, tout le monde fit d'exister sur la terre. Avec Jésus, oui, pasteur. Ou d'accord pour garder fidélité envers elle dans le bon temps, dans le mauvais temps. Avec Jésus, oui, pasteur. Ok. Que le Seigneur prenne acte de ton engagement et qu'il t'accorde la grâce nécessaire pour prouver ton intégrité face à cet engagement. Que le Seigneur te bénisse. Merci. Dans ce mouvement profond. So is Lord, what do you need? Come on, yeah. That would be that would be easy to call, so to my phone. Some person. That would be a voyage. We are like Jesus. We are like Jesus. We are like Jesus. We are like entre frère et frère et frère et frère. Je vous souhaite déjà bon voyage. En présence du grand conseil de l'univers, en présence de tous les leaders spirituels, en présence des parents et cette assemblée, est-ce qu'on est capable de dire qu'ils sont venus faire avant de dire à l'heure? C'est vraiment la réponse d'une croyante. Yes. Si tu étais en complet, tu chercher la partie là. Tu sois trop bon à la parole de Dieu, tu n'as plus la parole. Bah, c'est où il est venu. So was God. Est-ce que vous êtes sous la volonté malgré une déclaration sans quelque chose fait là? C'est pas pression ou de recevoir
ni de pasteur, ni de parole, ni de entourage. Non, pasteur. C'est pas pression. Ok. On va dire qui ça qui mène nous là. Oui. Non, mettez le pasteur et attendez tout, oui. Ça qui mène nous là, c'est une décision de tous les deux. L'amour. Désirons ça pour un pile de la Bible, pour un pile de la parole de Dieu. Yeah. Gloire à Dieu. So, who's not? Est-ce que vous êtes d'accord? Après que le cérémonie a terminé, nous soumettons à faire un rêve comme époux, comme mari, je l'ai appelé ça. Oui, pasteur avec Jésus. D'accord, vous souvenez-vous à l'hiver? Oui, merci. Vous m'avez Jésus qui monte? Non, pas que Jésus qui monte, parce que ça, je vais monte. Ok. Vous d'accord? Vous d'accord? Après cérémonie, hein? Une fois que vous venez transformer en épouse de Frère Corel, vous avez toute affection, toute compréhension, toute douceur, toute tendresse, tout soin que vous exigez. Oui, pasteur, après Jésus, la fin tout ça. La reconstruction qui n'est pas faite, le dépôt qui n'est pas fait. À où on fait, on fait. On fait tout le bagage net, on fait. Ça vous donne. Vous d'accord pour respecter, même si les parents riches, mais comme chrétien, comme mari, pour respecter, pour faire sentir du Seigneur roi, pour faire sentir que le Seigneur est pour tout le côté basé. Oui, avec Jésus. Pour d'abord vous supporter dans le bon temps, dans le mauvais temps. Oui, avec Jésus. Pour d'abord, une fois que vous faites un tel engagement, pour respecter l'engagement Sarah, pour demeurer fidèle à l'ami jusqu'à la mort ou jusqu'au retour de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ. Oui, avec Jésus. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Que le Seigneur de sa grâce t'accorde la capacité nécessaire pour marcher fidèlement dans cet engagement pour sa gloire. Et pour votre bonne bénéfice. Merci, rassoyez-vous. Pasteur Daniel. Levez vos mains, Seigneur. Pour pas réaliser son victoire. Allons célébrer victoire, ça ensemble. Levez vos mains, c'est bon, balancez bien. Balancez bien pour nous célébrer victoire, ça. Et la célébrer, tout est bon. La célébrer, nous vous guidons pas là, nous vous guidons pas là. Nous faisons pour faire la tout le monde. Amen. Nous célébrons la victoire, ça nous fait Dieu. Alléluia. Levez mon balance, mon balance, mon balance. Lisez Yahweh. Lisez Yahweh. Lisez Yahweh. Alpha et Omega. Vous avez ça. Lisez. Lisez Yahweh, Lisez Yahweh,
Yahweh, il sait.